Plus redoutable que l'héroïne, plus dévastatrice que le crack, plus discrète aussi que l'ecstasy, les drogues de synthèse débarquent en France. C'est vraiment une drogue horrible, hautement toxique, qui rend vraiment accro. On est dedans, hein, puisqu'on a déjà eu des cas et que je crois qu'on a intérêt à prévenir les jeunes filles, notamment. Aujourd'hui encore, j'ai des trous de mémoire. Je ne me souviens pas comment je me suis retrouvée dans la chambre. Les praticiens sont très préoccupés par l'augmentation des drogues de synthèse. Autrefois, on avait un comprimé par mois à analyser. Maintenant, c'est 10 par jour. C'est une tragédie pour la jeunesse, à bien des égards. Enquête sur la mort d'un jeune de 25 ans que cet homme, le commandant Archambault et son équipe, réalisent une des plus inquiétantes saisies de drogue jamais effectuées en France. L'été dernier, la brigade des stupes découvrait, au bord d'une rivière près d'Arpajon, dans un ancien lavoir, un laboratoire clandestin. On y fabriquait de la drogue de synthèse, du GHB. Oui, bien vous voyez, il s'agit de la cabane que l'on a découvert au mois d'août, qui servait de laboratoire à l'individu qui avait fabriqué ce fameux GHB. On a affaire à un individu qui n'a absolument aucune connaissance en chimie, qui s'est procuré facilement la documentation et nous a-t-il dit, par l'intermédiaire des pages jaunes du téléphone, a contacté des laboratoires qui ont accepté de lui fournir des produits de base. Dans ce cabanon, les policiers découvrent des produits chimiques et 4 kilos d'une poudre blanche. Ils pensent aussitôt à de la cocaïne, mais ça n'en est pas. Il s'agit d'un produit alors totalement inconnu en France. Le chimiste a donc été présenté au juge d'instruction après 4 jours de garde à vue. Et puis il a été écroué pendant 3 jours, je crois. Et ensuite, il est obligé de le remettre en liberté puisque ce produit n'était pas classé stupéfiant. À l'Office central des stupéfiants, on ne cache pas son embarras lorsqu'on découvre que des drogues synthétiques sont en train de détrôner chez les jeunes les drogues classiques comme la cocaïne ou l'héroïne. Dans la catégorie, je dirais 18-25, c'est un peu la drogue de papa. Hein. Les drogues, c'est un petit peu aussi les modes, hein, vous savez. Donc les drogues synthétiques sont arrivées sur le marché grâce à cette mode, grâce au concept, je dirais, musique techno, un certain mode de consommation. Et puis on a vu arriver aussi donc, des produits qui sont arrivés parfois de la consommation légale, c'est-à-dire le rohypnol, on a la kétamine qui était un anesthésique qui est utilisé maintenant en association, on a le GHB. Ce qui fait qu'on a le DOB maintenant, le Nexus, enfin, bon, il y a toute la palette. Hein. Et on saisit tout ça. Les douanes sont mises en alerte, mais elles avouent leur quasi impuissant. Sophistiqué, le Cisco Scan, un scanner qui permet de passer en revue tout ce que transporte un 38 tonnes. Inefficace quand il s'agit de trouver une molécule chimique. Les drogues synthétiques, c'est plus difficile à déceler dans le chargement d'un camion, parce que comme ça n'a pas vraiment de forme, nous n'avons pas vraiment de repères et puis la densité est beaucoup moins grande aussi. Et nous jouons beaucoup avec la densité, la couleur, et ce qui fait que c'est plus difficile. Reste pour les douaniers le flair ou la chance. En témoigne cette saisie record réalisée le 28 octobre dernier à Dunkerque. 400 000 pilules qu'on pensait être de l'ecstasy, mais ce n'était pas de l'ecstasy. C'était du DOB, une molécule de synthèse dont la puissance est de 100 fois supérieure à l'ecstasy. À la direction régionale de Lille, force est de constater que c'est à une véritable invasion qu'on assiste aujourd'hui en France. Les résultats de la France entière en matière d'ecstasy en 1997, c'était environ 170 000 doses. Dans la direction régionale de Dunkerque, cette année, à l'heure où je vous parle, nous sommes à 843 000. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Vous vous rendez compte qu'une dans une direction régionale, nous avons à peu près 6 fois plus que les résultats de la France entière l'an dernier.
En fait, on assiste à une course de vitesse. Le tout, c'est de ne pas se laisser dépasser. Et en fait, il faut qu'on adapte absolument notre réaction. Il faut qu'on ait une capacité de réaction qui soit identique à l'imagination des producteurs de ces produits illicites. Perplexes, les chimistes du laboratoire des douanes découvrent chaque jour de nouveaux produits qu'ils ne connaissaient pas. Il aura fallu par exemple 24 heures pour identifier la présence de DOB dans ses cachets. DOB est une nouvelle forme d'ecstasy qui est 100 fois plus puissante environ que le MDMA qu'on reçoit le plus couramment. C'est-à-dire qu'on a le même effet sur le système nerveux central avec 2 mg de DOB qu'avec 200 mg de MDMA, qui est l'ecstasy courant. C'est ici aux États-Unis que la plupart des drogues de synthèse ont été inventées ou recyclées avant de traverser l'Atlantique. En Californie, où ces nouvelles drogues font déjà des ravages, la police est totalement dépassée. Le fléau a pris une ampleur à la taille du continent américain, avec pour conséquence l'émergence d'une nouvelle criminalité. Dans certains clubs du quartier, pas tous, mais dans certains, il y a eu soi-disant des cas de viol après ingestion, sans le savoir, de cette drogue du viol, comme on l'appelle ici. 95% des personnes incarcérées ici le sont pour des crimes qui ont un rapport avec les stupéfiants. Soit parce qu'ils en vendent, soit parce qu'ils en achètent, soit encore parce qu'ils volent pour s'acheter de la drogue. Ils vont même jusqu'à faire des kidnappings pour se procurer de la drogue. Ici, tout tombe. Il est dans un état second et il est armé. De la drogue plus une arme, un cocktail qui demande des précautions extrêmes. Les policiers sont surarmés. Ils ne savent pas comment le toxicomane peut réagir. La tension monte, mais finalement le jeune homme est appréhendé. C'est dans le monde de la nuit que les dégâts sont les plus visibles. Mais les statistiques sont difficiles à établir. On parle de 200 décès officiels depuis 5 ans. Mais les cas seraient beaucoup plus nombreux. Le GHB ne laisse aucune trace dans l'organisme. Il est pourtant le principal coupable. Le GHB a été surnommé la drogue du viol parfait. Incolore, sans saveur, il est aisément versé dans les verres des victimes à leur insu. Les viols sous GHB, on ne les compte plus, au point que le GHB est devenu la hantise des établissements de nuit. Seule prévention, des pancartes dans les toilettes pour mettre en garde les clientes. Surveillez votre verre. Ancien propriétaire du légendaire Studio 54 à New York, Mark Fletchman règne aujourd'hui ici à Los Angeles sur cette boîte haut de gamme. État des lieux avec un roi de la nuit qui pensait avoir tout vu, tout entendu. La nouveauté, c'est toutes ces drogues de synthèse. J'en avais jamais entendu parler avant. Elles n'ont pas vraiment de nom, elles portent des initiales comme MBA ou GHB. C'est ce qui identifie le procédé chimique ou les composants de ces drogues. En fait, c'est un peu en train de dégénérer parce que ces drogues ont été mises entre les mains de jeunes qui n'avaient pas du tout conscience de ce qu'ils prenaient. Le pire de tout, c'est quand on s'est rendu compte que des hommes en donnaient aux femmes pour faire d'elles ensuite ce qu'ils voulaient. Cette nouvelle drogue, le GHB, c'est vraiment la drogue des violeurs. Ces images inondent à présent les télévisions américaines. Dans certains quartiers, le SAMU commence seulement à reconnaître les victimes de ces drogues nouvelles, qui souvent n'ont pas d'antidote. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une de ces nouvelles molécules ne fasse des victimes. «
Nous avons retrouvé l'une d'entre elles, Adriana Tissek. C'est là que j'habitais quand ça s'est passé il y a environ 2 ans. Depuis, j'ai déménagé. Violée il y a 2 ans après avoir sans doute absorbé du GHB, son témoignage a conduit à la condamnation de 2 hommes à 97 ans de prison. Ils ont été reconnus coupables d'avoir violé 18 femmes à ce jour en utilisant du GHB. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. J'ai l'impression que la drogue était dans un chocolat ou quelque chose comme ça. C'est possible parce qu'après en avoir mangé, c'est là que je me suis fait violer. J'avais beaucoup de mal à effectuer le moindre mouvement. On m'a donné des ordres de bouger comme ci ou comme ça, et j'ai dû faire ce qu'on me demandait. Aujourd'hui encore, j'ai des trous de mémoire. Arrivée à l'appartement, je ne me souviens pas comment je me suis retrouvée dans la chambre, des trucs de ce genre. Quand tout a été terminé, j'avais l'impression d'être dans le brouillard. Ma mémoire était très floue. 2 jours plus tard, j'ai commencé à me souvenir par bribes. Mais même là, je n'étais pas sûre de ce qu'il s'était passé. Mais quand un des deux hommes est venu me voir et s'est vanté à demi-mot, là j'ai compris ce qui s'était passé. Notre expérience auprès des victimes que nous recevons nous montre que ces drogues sont une arme fatale. Elles sont aussi dangereuses qu'un pistolet ou un couteau. Parce que non seulement vous pouvez rendre quelqu'un inconscient dans le but de le violer, mais vous pouvez aussi le tuer. C'est possible avec ce type de drogue. La plupart des victimes sont des adolescents. C'est une véritable tragédie pour la jeunesse. Pour traiter ces problèmes, nous devons changer nos méthodes. On doit également éduquer les policiers et le personnel hospitalier pour leur apprendre comment réagir face à ces viols, comment trouver des preuves, quels tests ou quels examens pratiquer. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous faisions auparavant. Éduquer la police, c'est aujourd'hui une des priorités des autorités. À Hollywood, dans l'un des commissariats les plus chauds de la ville, la patrouille est conviée à suivre un cours sur ces nouvelles drogues. Une détective de la brigade des stupes, le lieutenant Peralta, est là pour ouvrir les yeux à des policiers qui ne savent ni comment s'y prendre, ni reconnaître tous ces nouveaux produits sur le marché. Je suis Trinca Porata des stupes. Combien d'entre vous ont déjà entendu mes discours sur les nouvelles drogues? Aucun? Bien. Pour commencer, si je vous offrais une gorgée de ça, vous semblez faire un peu de muscu. Si ça vous aidait dans la gonflette, vous en boiriez. Certainement pas. Un des problèmes que nous rencontrons en ce moment et qui est un véritable cauchemar pour nous, les forces de l'ordre, c'est ça. La drogue la plus facile à fabriquer et la plus difficile pour nous à identifier. Il n'y a rien de plus dur à identifier que le gamma-hydroxybutyrate ou GHB, l'ecstasy liquide. Combien d'entre vous ont déjà vu du GHB? Dans des boîtes de nuit? Quelqu'un d'entre vous, peut-être? Je parie que tout le monde dans cette salle en a vu, mais vous ne savez pas le reconnaître. Ça, c'est un spray de laque pour cheveux trouvé dans le sac d'une femme. Je n'aurais jamais pensé à ça, mais ils l'ont trouvé comme ça, dans son sac. Tout ce qui peut contenir un liquide fait l'affaire. Les symptômes, vous observerez un état très avancé d'intoxication, en général accompagné de vomissements. Presque tout le monde vomit avec ce truc-là. La respiration s'arrête quasiment, en général 6 respirations par minute, ce qui est très près de la mort. Ils ne réagissent pas quand vous les touchez, ni quand vous essayez de les bouger, ou quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est un coma de GHB, c'est typique. En général, le problème avec les cas de viol au GHB, la victime est toujours sous une emprise très puissante qui la rend sexuellement très réceptive. Si vous voulez en donner à une femme et que vous aimez le sexe et le vomi réuni, eh bien les gars, cette drogue, c'est pour vous. 2 choses dont nous sommes sûrs, c'est que cette drogue stimule la sexualité et provoque un comportement agressif. La police n'a pas fini d'être déroutée par l'explosion du marché de ces drogues de synthèse. Ce type de drogue ne circule plus par les réseaux traditionnels de trafiquants. Les consommateurs, les usagers sont difficiles à identifier, contrairement aux petits milieux des toxicomanes.
Presque la moitié des cas que j'ai rencontrés venaient du milieu des culturistes. Ce sont eux qui ont démarré tout ça dans les années 80, alors qu'ils cherchaient une alternative aux stéroïdes qui n'était plus en vente libre. Ils ont commencé à en abuser. C'est là que ça a été interdit. Mais personne ne s'en est réellement préoccupé. Personne n'avait imaginé que ça prendrait une telle ampleur. Le lieutenant Peralta en est consciente, elle n'en est qu'au début d'une longue traque. Pour en apprendre toujours plus, elle n'hésite pas à descendre dans la rue. Ce soir-là, elle a rendez-vous sur un parking avec un consommateur de GHB. Il est culturiste, il fabrique lui-même son GHB depuis 6 ans. Quelques-uns de ses amis en sont morts, il veut tout arrêter. Je voulais vous montrer à quoi ça ressemble en général. Vous voyez ces traces blanches? Je ne pense pas que vous le voyez bien, mais en fait, c'est du sel qui colle aux parois. Regardez. Regardez, essayez de sentir. On ne sent pas grand-chose, hein. Moi, je peux fabriquer 16 de ces bouteilles en moins de 3 minutes. C'est aussi rapide que ça. Avec ça, les orgasmes sont invraisemblables, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est incroyable, vraiment. Évidemment, je pourrais l'arrêter, mais je suis ici pour m'informer. C'est une nouvelle drogue et nous essayons tous d'en apprendre davantage. Il y a beaucoup de questions en jeu et c'est une chance pour moi, pour les forces de l'ordre dans leur ensemble, de bénéficier de son savoir. Moi, je ne suis pas passée par là, par où vous êtes passée. Je n'en ai jamais pris. Je n'ai donc aucun intérêt à vous arrêter. J'ai beaucoup d'amis qui sont accros à ce truc-là. Et je ne veux pas être responsable de la mort de quelqu'un, même si je ne le connais pas, même s'il achète ailleurs. Je ne veux plus être mêlé à ça. C'est en France, dans les années 60, qu'un chercheur, le professeur Labori, avait mis au point le GHB. Utilisé un certain temps par le SAMU comme anesthésiant, il avait été très vite délaissé au profit d'un autre produit moins nocif, moins dangereux. Aujourd'hui, même si nous sommes encore loin de la dérive américaine, le GHB nous revient comme un boomerang et brouille les cartes de la lutte anti-drogue. Pour le chef des stupes, Gilles Leclerc, la police n'est pas préparée à faire face à cette invasion. Toutes les drogues synthétiques, là, connues ou un peu moins connues, mais enfin bon, notamment la dernière dont on parle, qui est le GHB. Nous, on a encore la chance pour l'instant de ne pas être touchés trop par le phénomène de décès lié à ces produits. On y va tout droit si les gens continuent, ça c'est clair. Tout phénomène nouveau, bien sûr, c'est vrai que c'est difficile de les anticiper, notamment en matière de drogue. C'est beaucoup plus difficile d'anticiper. Et c'est pour ça qu'on est parfois un peu désarmé dans l'action. C'est une autre approche, c'est l'approche plus de terrain régional et local. C'est un petit peu du maillage de territoire, peut-être à développer mieux pour nous, parce que les services départementaux ou les services locaux soient beaucoup plus à l'écoute, essayent d'exploiter les choses. La découverte de ces nouvelles drogues est un véritable casse-tête pour les stupes. Ces psychotropes très puissants, bien souvent, sont des variantes de produits déjà interdits, mais des variantes. Du coup, ils ne sont pas classés dans le tableau des stupéfiants. Pour le docteur Hautefeuille, expert en toxicologie, ces nouvelles manipulations moléculaires peuvent échapper à la loi pendant plusieurs années. Donc ça, c'est un exemple pour montrer l'évolution qu'il y a à l'intérieur des drogues de synthèse. Là, on part du radical amphétamine, donc quelque chose de très classique. À partir de ça, on va rajouter d'autres radicaux qui donnent un nouveau produit qui est connu sous le nom d'ecstasy. L'ecstasy va faire partie de la liste des produits stupéfiants, donc interdits, en 90. À partir de 90, il y a des chimistes qui vont prendre cette formule de l'ecstasy, qui vont par un tour de passe-passe faire sortir ce radical-là pour en rajouter un autre, ce qui est une manœuvre chimique assez simple. On a un nouveau produit qui est le MBDB, hein, qui est un produit avec des effets différents, mais de même type que l'ecstasy. Et ce produit ne sera rendu illégal qu'à partir de 1996. C'est-à-dire que là, on a l'exemple de deux molécules tout à fait voisines, avec un flou juridique pendant 5-6 ans, c'est-à-dire le temps que ce produit soit classé stupéfiant. Et ça, c'est intéressant parce que c'est tout le problème que posent les drogues chimiques, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une différence et un retard entre l'imagination des chimistes et les possibilités légales d'interdire tel ou tel type de produit. Que c'est effectivement l'image du toxicomane qui va changer. Là, on va vers une espèce de banalisation de la prise de produits chimiques.
qui fait que un pourcentage important de la population, et probablement de plus en plus important de la population, va se mettre à prendre des produits chimiques pour pouvoir faire face au quotidien. Les juristes nagent dans le brouillard. Dans cet univers des drogues de synthèse, tout va trop vite et l'on doit jouer aux petits chimistes pour déterminer au milieu de tous ces produits ce qui est vraiment de la drogue. À l'hôpital Henri Vidal, on s'aperçoit qu'il est de plus en plus compliqué de classer une molécule qui a potentiellement des dizaines de dérivés aux effets identiques, au point qu'on parle aujourd'hui de famille de drogues. Tous ces produits sont fabriqués à partir de produits de base qu'on appelle le précurseur. Exemple, l'éphédrine, le précurseur des amphétamines. Un produit en tant que tel qui n'est pas illégal, mais qui, transformé, peut devenir une drogue redoutable. Le professeur Lagier, président de la commission des stupéfiants, en est parfaitement conscient, mais il est impuissant. Pour le GHB, c'est le précurseur qui voyage dans les valises. C'est deux précurseurs extrêmement simples qui voyagent dans des valises, et puis à un moment, on fait la synthèse, et puis juste avant la synthèse, c'est des produits complètement anodins, et après la synthèse, c'est un produit redoutable. Donc on est incapable de classer comme stupéfiants des précurseurs. L'Europe est très inquiète, elle a demandé une procédure rapide de sensibilisation, sinon de classement. Il faut des rapidités de réaction tout à fait augmentées, puisque le problème s'accélère de manière singulière. Et puis à partir de là, c'est ça qui compte. C'est pas d'avoir la performance de classer un produit, deux produits, trois produits de plus, c'est d'avoir des principes bien clairs aux yeux de tout le monde, vis-à-vis des trafiquants, vis-à-vis de tout le monde, et que les gens sachent ce qu'ils risquent, et aussi que le consommateur soit averti, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout avertis. Retour à Los Angeles où, pour les dealers, les drogues dures comme l'héroïne sont bien moins rentables aujourd'hui. Les drogues de synthèse, en revanche, font un malheur. Elles sont censées stimuler les sens, moduler l'humeur, affronter la réalité sans phobie. Le dealer apprend à jouer un rôle nouveau, celui de pharmacien underground. Frankie est dealer de GHB et autres cachets du bonheur comme on les surnomme. Lui-même a de plus en plus de mal à faire la distinction entre stupéfiants et simples molécules de nirvana. J'achète ça par bonbonne entière, de la taille de cette cafetière, style taille industrielle. Je peux appeler quelqu'un et me procurer comme je veux des cartons entiers de cette dope déjà synthétisée. Les gens la fabriquent dans des baignoires, dans des barils, ça vient dans... Qu'est-ce que j'ai foutu de ce truc? Il est juste là. Basically, because it's being manufactured, voilà, it normalement, on le cache dans n'importe quelle bouteille, petite ou grande, des bouteilles banales. Like this. It's just a nondescript bottle. It's like a salty c'est salé, tasting, c'est un peu épais, fluid. C'est pas très bon à voir, mais les gens sont vraiment dingues. Down, but people are really crazy about it. You know, it's everywhere. Il y en a partout. It's at people's chez les gens, houses, dans les fêtes, dans les boîtes. Clubs, you know, they usually on try essaie tant bien que mal de vous fouiller à l'entrée ou à la sortie des boîtes. Pat people down, and that's avant, because of the violence à cause de la violence, and pour trouver des flingues. You know, maintenant, en plus, c'est pour la drogue. C'est un peu plus dur ces jours-ci de rentrer dans une fête ou dans une boîte avec quelque chose sur vous. S'ils trouvent quelque chose, vous pourrez éventuellement vous en sortir en disant, par exemple, que c'est une solution pour vos lentilles de contact. Mais vous pourrez toujours courir le risque de vous faire arrêter. Avec les drogues euphorisantes, les gens essaient juste de se sentir bien ou de se marrer. Mais il y aura toujours quelqu'un pour vouloir les interdire pour soi-disant des raisons de sécurité ou autres. Et c'est pour ça que ça devient une course pour être toujours en avance sur la loi. On doit toujours fabriquer de nouveaux produits identiques, mais légèrement différents à la fois. Ces trucs, ça a soit un effet stimulant, soit un effet dépressif. En tout cas, ça provoque toujours un de ces deux effets. Et pour ceux qui ne veulent pas passer par les dealers, rien de plus facile ou presque d'acheter les produits de base pour fabriquer soi-même sa drogue, à partir d'un produit comme le GBL, par exemple. Mélangé à de l'eau ou avalé pur, il se transforme en GHB par oxygénation. Nous sommes à Pasadena, une banlieue proche de Los Angeles. Avec une caméra cachée, nous essayons de nous procurer du GHB dans un magasin pour culturistes. On trouve ici toutes sortes de produits pour améliorer les performances. Réticence de la vendeuse, mais réticence de courte durée. Le produit est interdit mais disponible. Elle nous donne finalement un flacon.
Le docteur Velea est toxicologue. Sur l'Internet, il a déjà repéré des centaines de drogues chimiques et leur mode d'emploi pour les fabriquer chez soi. Véritable encyclopédie, l'Internet lui permet de suivre l'évolution des drogues dites de design à l'échelle mondiale, en particulier celle du GHB et de ses dérivés. On peut penser que le GHB il est utilisé en France ou dans tout le reste de l'Europe dans un pourcentage beaucoup plus fort qu'on imagine. Mais en ce qui concerne la toxicité du produit, donc les données sont assez difficiles à saisir parce que c'est un produit qui se volatilise presque au bout d'une heure de l'organisme, donc on ne trouve plus de traces. Et c'est assez difficile de faire le lien entre des cas de toxiques qu'on trouve aux urgences et une prise de GHB. C'est un produit qui aura beaucoup d'avenir en France du fait de son moindre coût de fabrication, de la facilité de le trouver sur Internet comme procédure de fabrication et ingrédients. Et c'est une drogue futuriste, la drogue du 21e siècle. Et pour s'en convaincre, il suffit de se connecter en effet sur les sites américains de l'Internet. On y trouve pas moins de 179 formules dérivées du MDMA, l'ecstasy. San Francisco, le berceau du psychédélisme, du LSD et de l'expérimental. Pas très loin de là, dans la petite ville de Lafayette, le parrain de l'ecstasy et de la plupart de ses molécules travaille toujours à mettre au point de nouvelles drogues. Alexandre Shulgin est biochimiste. La publication de Pical et Tikal, ces deux livres références, ont suscité au sein du monde scientifique à la fois de l'admiration et de l'émoi. À 72 ans, cet ancien professeur de l'université de Berkeley est un pionnier de l'exploration de la conscience. Pour lui, la chimie nous offre les moyens d'évoluer vers un monde meilleur où l'on pourra choisir ses états d'âme en fonction de ses besoins. Alexandre Shulgin a accepté de nous recevoir dans son laboratoire. Je suis mon propre cobaye, je fais tous les tests préliminaires sur moi, je n'ai jamais publié de résultats, à moins que moi ou mes associés n'aient testé le produit pour savoir si en effet c'était sans aucun risque et si ça servait à quelque chose. Mon intérêt n'est pas d'inventer des drogues, mon intérêt c'est de créer des outils de recherche. Et s'il y a des applications médicales, tant mieux. Mais je ne suis pas dans le business de la drogue. Je fabrique des outils, je suis un fabricant d'outils, et je crois que c'est ça mon art. Les gens disent vous créez des drogues pour que les autres tombent dedans. Non, moi je crée des drogues pour explorer ce qui se passe quand les gens sont intoxiqués, quand ils ont des retours de mémoire ou se souviennent de leurs rêves, ou bien encore quand ils changent de dimension. Et ça, ça a toujours été une véritable motivation chez l'animal qu'est l'homme. Les gens font ceci, cela, toujours pour changer leur état de conscience. Ils boivent pour changer leur état de conscience, ils vont à l'église pour changer leur état de conscience. Ils dorment pour changer leur état de conscience. C'est ça l'histoire. Pourquoi les gens font ça? Dans chaque société, les gouvernements veulent obtenir des comportements conventionnels, sans écart, des comportements prévisibles. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui essayent de ne pas rentrer dans ce moule. En fait, tout le système dans lequel nous vivons et qu'on retrouve dans la plupart des pays du monde est basé sur l'élimination de l'individualité, car avec elle, les gens deviennent imprévisibles. Les idées très personnelles et les expériences du professeur Shulgin ne sont pas interdites, mais sous haute surveillance. Pendant notre visite, la police débarque à l'improviste. Le professeur Shulgin est arrêté, puis séquestré chez lui. Messieurs, s'il vous plaît, ceci est une arrestation. Veuillez arrêter de tourner, s'il vous plaît. Did my wife invite you? We were here for the call. We'll discuss all that later. We're going to walk up the road. If you try to resist it, the lawful detention will be an arrest. Quelques heures plus tard, une armée d'agents du DEA, accompagnée de camions d'analyse chimique et d'un mandat de perquisition, passe son laboratoire au peigne fin, mais ils ne trouveront rien. Le discours. Et sur un timbre poste, on peut déposer en microgrammes des centaines de doses de principes actifs de n'importe quelle drogue. Et puis on peut aussi, et puisque c'est ça la notion même du design de drugs, mais proposer au marché des produits qui multiplient et accumulent les effets. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes comme ci, après, vous êtes comme ça, et à la fin, vous serez autrement. Et donc, la dernière barrière qui est le rituel d'un produit, c'est-à-dire diluer, par exemple, l'héroïne, la retirer, se piquer avec une seringue, à l'intérieur, dans son isolement ou à l'intérieur d'un groupe, eh bien,
Ça, c'est encore l'obstacle qui faisait que très peu de gens consommaient, parce que ceux qui consommaient étaient des gens qui étaient déjà en rupture avec la société. Le jour où consommer des drogues ne t'amène pas dans une rupture parce qu'il suffit d'engaler une pilule, eh bien, dans ces cas-là, il n'y aura plus de rituel qui va nous protéger, et donc tout le monde pourra devenir consommateur des drogues de synthèse. Un monde sans drogue paraît aujourd'hui pour beaucoup totalement utopique. Et sans doute faudra-t-il apprendre à vivre avec. La réponse au raz-de-marée des molécules de synthèse n'est sans doute pas pour demain. Et pourtant, il y a urgence.